Entreprendre pour les fragilités, ce qui était marqué tout à l'heure, franchement, c'est un titre magnifique. Entreprendre pour les fragilités. Donc, je voudrais essayer de développer deux idées. La première, c'est la nécessité de ce que j'appellerais une révolution douce, qui s'appelle l'économie autrement. Et la deuxième, vous dire en quoi l'ESS a un rôle à jouer là-dedans, et quels sont peut-être ses enjeux à venir. La première idée, c'est que, bon, moi, j'ai un certain âge. Je suis toujours extrêmement motivé par l'innovation sociale et l'entrepreneuriat, pas seulement parce que c'est ma vie, mais c'est parce que je pense que le monde qui est autour de nous est un monde qui ne va pas très bien, et qu'il faut lui apporter des solutions, et que ces solutions, elles passent de plus en plus autour de cette approche de l'innovation sociale. Et donc il faut qu'ensemble on invente une économie autrement. Moi, je suis quand même frappé. J'ai parlé de révolution douce parce que je pense que si nous ne le faisons pas, on ira vers des choses qui seront beaucoup plus douloureuses ou violentes que malheureusement on a commencé à en constater, et que donc inventer une économie autrement, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et on n'a pas le droit, souvenez de cette phrase, la maison brûle, on regarde ailleurs. On n'a pas le droit de regarder ailleurs aujourd'hui, pendant que, si ce n'est la maison brûle, en tout cas, elle est en partie en difficulté. Il faut quand même savoir qu'on a, je ne fais que lister, et pour montrer en quoi entreprendre pour les fragilités est essentiel, on a quand même au-dessus de la tête au moins plusieurs menaces ou épées de Damoclès. Une, qui, ça va peut-être nous surprendre, mais c'est un banquier, ancien banquier, qui vous le dit, c'est que on a eu une grosse crise financière en 2008. Je ne suis pas entièrement sûr qu'on en soit complètement sorti. Donc, de s'interroger sur une économie financiarisée qui est la nôtre aujourd'hui. Ensuite, on a une menace toute climatique. Enfin, je ne sais pas si vous ressentez ça comme moi, mais 20 degrés au mois de février, en face de chez moi, les arbres sont complètement en bourgeon. Enfin, ils sont fous, quoi. Ils ne savent plus où ils en sont. Je pense que la menace climatique, elle est quand même très sérieuse. On a une menace d'explosion sociale que les gilets jaunes ont montré en partie. Moi, je donne mes convictions. Hein. Je pense qu'un écart entre le smicard et le patron du CAC 40 de 280, c'est difficilement acceptable dans la société qui est la nôtre. Mais la menace, à la limite, la plus forte pour moi, c'est pas l'explosion sociale, c'est l'implosion sociale, ce qui va me conduire à parler un tout petit peu des fragilités. Et cette révolution douce à laquelle que j'appelle de mes voeux, elle repose d'abord sur un changement culturel. Et c'est, vous avez entendu les trois premières interventions, en fait, ce rapport à la fragilité, je pense que ça doit interroger en profondeur nos sociétés. Donc c'est une espèce de révolution culturelle. D'abord, c'est de prendre en conscience que ce qui est le plus fragile a le plus de valeur. J'ai noté sur mon petit papier, j'imagine que vous tenez plus au verre en cristal de votre grand-mère qu'au verre Ikea en plastique. En fait, ce qui est fragile devrait être ce qui a le plus de valeur dans la société. Et on pourrait dire qu'en fait, une société, une civilisation se juge à la manière dont elle traite les plus faibles. Et donc, affronter cette question de la fragilité, c'est se remettre en cause profondément en tant que société, en tant qu'économie, en tant que façon de regarder ces personnes dites en fragilité, et de le faire, c'est pour ça que l'entrepreneuriat m'intéresse, de le faire en regardant la réciprocité qui peut exister entre des personnes fragiles et nous. Moi, j'ai toujours refusé, alors que je suis un militant d'économie sociale et solidaire depuis très longtemps, de me placer dans des positions assistentielles. Je crois que c'est Gandhi qui a dit « Ce que vous faites pour moi, mais sans moi, vous le faites contre moi. » Donc, la façon aujourd'hui que vous avez de travailler là, les trois, puis de ce qu'on entend après pour les fragilités, c'est pas d'aller assister des gens, mais c'est de dire qu'en fait, ces personnes fragiles, qui sont souvent silencieuses, effectivement, en travaillant avec elles, on va apporter des choses, mais on va en recevoir également. Et moi, je voudrais prendre un ou deux exemples que je connais, que j'ai vécu. J'ai été longtemps bénévole de Solidarité Nouvelle Face au Chômage. Les gens qui arrivent à Solidarité Nouvelle Face au Chômage sont souvent, pensent qu'ils vont apporter des choses en fait aux chômeurs, et au bout d'un moment, ils disent qu'ils en reçoivent autant que ce qu'ils en donnent, et que c'est toujours un rapport de réciprocité.
Je pense que dans les entreprises qui embauchent des handicapés, au lieu de donner de l'argent à la DGFiP, ils constatent que des handicapés dans un atelier ou un bureau, en fait, il se passe des choses dans les rapports humains qui est un enrichissement collectif, commun. Je pense que Territoire Zéro Chômeur de longue durée, aujourd'hui, cette expérimentation très intéressante qui existe sur l'agglomération lyonnaise à Villeurbanne, c'est une façon d'aborder les problèmes de la fragilité, qui est de partir du potentiel des personnes qui sont au chômage de longue durée, et non pas de leur dire « on va vous assister pour retrouver un emploi ». Donc, entreprendre pour les fragilités, c'est aussi considérer que ces zones de fragilité sont des chances pour la société. J'avais écrit, je crois, dans une tribune que nos catégories aujourd'hui, le chômage et la pauvreté, ne rendent pas compte entièrement ou même pas du tout à certains moments de ces fragilités. Par exemple, une femme qui a 70 ans, qui n'est ni au chômage, ni sans logement, mais qui a un cancer du sein, qui n'a pas de famille proche, qui a pas de mobilité, qui est donc dans un relatif isolement, elle n'est ni chômeuse ni SDF, mais elle est dans une situation de fragilité. Et les gens qui sont dans ces situations de fragilité-là, en fait, et ça doit nous interroger, il y en a plus que les statistiques des comptabilités qu'on connaît, du chômage ou de la pauvreté. J'ai noté quelques exemples qu'on a vus à travers des premières expérimentations qui ont été présentées, qu'on verra peut-être après. Aujourd'hui, la fragilité, elle concerne par exemple la mobilité. La mobilité, c'est quelque chose qu'on a vu surgir d'ailleurs sur la scène publique dans la dernière période. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas en situation de mobilité dans un monde qui est hyper mobile, eh bien, ça leur crée une fragilité fondamentale pour trouver de l'emploi, pour s'occuper de leurs enfants, pour la vie quotidienne. On est relégué quand on est dans cette fragilité de mobilité. Donc, comment est-ce qu'on apporte des réponses à cette question de mobilité? C'est là où ça fera peut-être le lien avec la suite de la soirée, c'est qu'il me semble que c'est à la fois, il faut qu'il y ait des entrepreneurs sociaux, donc il y a des gens qui créent des structures qui apportent des réponses à la mobilité, mais chacun n'a plus tout seul la solution. Et je ne pense pas que sur la mobilité, les entrepreneurs sociaux aient tout seul la solution. La solution, elle vient de nouveaux partenariats entre des collectivités locales, des entreprises de transport en commun, des entreprises sociales, etc. Et j'avais prévu de décliner un peu ces exemples de fragilité avec d'autres, mais on va pas avoir le temps, donc je vais les sauter. Mais par exemple, la question du vieillissement, qui bien sûr crée des fragilités, le vieillissement, parce qu'on perd progressivement son autonomie, on a des problèmes de santé. Dans la manière d'approcher ce problème de vieillissement de la société, soit on le regarde uniquement comme un marché économique. Moi, je n'aime pas trop le terme de « silver economy », parce que ça veut dire qu'on considère le vieillissement comme un marché, point à la ligne. Donc, ça veut dire que cette question de la fragilité, on ne la traite pas, voire même on l'augmente, c'est pas la façon que, en tout cas, moi, je défends de le traiter. Je prends l'exemple de Ciel-Bleu, qui est une magnifique entreprise sociale, qui a abordé le problème de la fragilité du vieillissement autrement, en permettant à des personnes âgées d'avoir de l'activité physique et donc d'être dans des meilleures conditions. Et donc, il y a des solutions que les entreprises sociales apportent à ces problèmes de fragilité qui sont, je pense, à la fois gagnantes pour les entreprises sociales en question, mais plus largement pour notre société. Ces fragilités, on l'a vu tout à l'heure, c'est soit des fragilités individuelles, soit des fragilités de groupes sociaux entiers qui sont dans cette situation de fragilité. Par exemple, à déjeuner, on parlait de ça, les aidants, les personnes qui aujourd'hui aident des personnes qui sont atteintes de maladies dégénératives, Parkinson ou Alzheimer, sont des personnes qui sont en situation de fragilité souvent assez forte. Et donc, ils sont un groupe social qui est concerné par cette question de la fragilité auquel il faut apporter des réponses. Et puis, c'est la fragilité des systèmes territoriaux, la fragilité des territoires. Et je suis content de voir que Ronalpia agit, par exemple, sur les espaces ruraux pour que votre savoir-faire que vous avez à l'échelle d'une grande agglomération lyonnaise
trouvent aussi à s'employer sur des territoires ruraux qui sont aussi fragiles en termes de ressources humaines. Il n'y a pas évidemment, quand je vois le potentiel humain qu'il y a ce soir dans cette salle, bah, quand on est dans les territoires ruraux, pour réunir un groupe de gens comme on l'a ce soir, c'est extrêmement difficile. Donc les territoires aujourd'hui sont en situation fragile, et bien sûr, la fragilité individuelle de groupes ou de territoires vont souvent ensemble, et plus les territoires sont fragiles, plus les individus et les groupes sont fragiles. Et face à ces fragilités, ce qu'apporte, ce que doit, à mon avis, apporter l'entrepreneuriat social, c'est pas d'être d'abord sur de la réparation ou uniquement sur de la réparation, mais c'est d'être à la fois sur de la réparation et sur de la transformation. C'est-à-dire que, pour moi, le rôle de l'entrepreneuriat social, c'est pas d'être simplement une espèce de voiture balai qui essaye de réparer les blessures qui ont été faites, mais c'est en les réparant de transformer, et on n'oppose pas réparer et transformer. On peut le faire ensemble, mais c'est la vertu, me semble-t-il, de l'entrepreneuriat social. Quand j'étais président du CJDES, on avait défendu cette idée de logique d'anticipation, logique de rattrapage. Le rôle des entrepreneurs sociaux, c'est pas de chercher à rattraper, faire recoller le peloton des fragiles dans le système tel qu'il est. C'est en même temps de le transformer pour que les personnes trouvent un équilibre entre elles meilleur à l'intérieur de cette société-là. Et de ce point de vue-là, les personnes fragiles permettent de passer, pour moi, de la compétition à la coopération. C'est-à-dire qu'en travaillant avec ces personnes fragiles, on apprend à être plus coopératif plutôt que d'être simplement dans des systèmes de compétition. Et donc c'est un apport que fait, il me semble, il faudrait avoir entendu plus longuement les exemples qu'on a entendus tout à l'heure, mais que font les entreprises sociales qui s'approchent de la fragilité, c'est qu'il y a une dimension humaine qui peut être utile à tous les autres. Alors mon deuxième message, c'est entreprendre pour la fragilité, l'ESS, l'économie sociale et solidaire par rapport à cet entrepreneuriat, et ce qu'elle peut apporter par rapport à cette économie autrement, cette révolution douce. Je pense qu'elle peut être une espèce d'aile avancée, mais j'aime bien parler d'économie sociale sans rivage. L'économie sociale qui serait enfermée à l'intérieur de barbelés en prétendant être la vertu, le reste ne l'étant pas, c'est pas la conception qui m'intéresse. C'est d'être une économie qui est immergée dans le reste de l'économie fondamentalement essaye d'articuler des valeurs, des statuts et des pratiques. Pour moi, l'ESS, c'est comment dans mon entreprise j'essaye, et c'est tous les jours, c'est jamais acquis, de faire que les valeurs que je défends, les statuts que j'utilise et les pratiques réelles de mon entreprise font sens et sont cohérentes. Une entreprise qui a des très beaux statuts, mais finalement qui a des pratiques radicalement différentes de ses valeurs et de ses statuts, je pense que pour moi, elle n'est pas véritablement au cœur de l'ESS, tel que j'essaie de la défendre. Donc, cette tension entre des valeurs, des statuts et des pratiques, qu'est-ce que je peux vous en dire aujourd'hui ? Premièrement, sur les valeurs, je pense que l'économie sociale et solidaire, je l'ai écrit, devrait rajouter un E à la fin de l'ESS, le E de écologie. Je n'imagine pas que cette économie sociale et solidaire, qui est une économie humaniste, qui est une économie qui défend des valeurs d'équité, de coopération, etc., ne se préoccupe pas davantage de l'avenir de la planète. Or, elle le fait, mais... Moi, je note que, par exemple, dans les travaux que le labo de l'ESS a fait, en Allemagne, 50% des énergies renouvelables sont produites par des structures qui sont sous le contrôle des citoyens. On en est très, très loin. Dans la question écologique, il y a aussi la question des inégalités sociales. On sait très bien que la précarité énergétique, ça existe. Moi, je suis un adhérent d'Enercoop. Je défends Enercoop, qui est une coopérative d'énergie renouvelable, et je sais que l'électricité y est plus chère que si on allait chercher ailleurs. Et donc, l'ESS doit se préoccuper davantage de cette question écologique et aussi de la sobriété énergétique, pas simplement des énergies renouvelables, mais d'être une société qui soit moins consommatrice d'énergie. Un deuxième challenge pour cette ESS, c'est de faire évaluer son cadre
son cadre statutaire. J'ai parlé des statuts. Les statuts des entreprises, c'est quand même quelque chose d'important. C'est pas le plus important, mais c'est important. Et de ce point de vue-là, je suis venu défendre auprès de vous l'idée qui continue à me motiver, c'est que on essaye d'élaborer, si possible à l'échelle européenne, un droit des sociétés de personnes. C'est-à-dire des sociétés, donc on les appelle coopératives, associations, mutuelles, etc., dans lesquelles ce n'est pas la part du capital que vous détenez qui vous donne le pouvoir. Donc c'est les personnes qui sont dans ces entreprises. Or, aujourd'hui, c'est un droit qui est éclaté. C'est un droit donc, qui ne pèse pas dans les systèmes juridiques européens. Et moi, je défends l'idée qu'à côté des sociétés de capitaux, il y ait un droit des sociétés de personnes et qu'il soit plus lisible, plus unifié et plus cohérent. De même que je défends dans cette idée des statuts, le fait que les parties prenantes de l'entreprise soient associées à la gouvernance des entreprises. Je trouve que la responsabilité sociale de l'entreprise nous a fait progresser, mais malgré tout, dans le plus grand nombre de cas, les parties prenantes ne sont pas dans la gouvernance. Les consommateurs, les salariés, etc., c'est des parties prenantes de l'entreprise, mais la gouvernance, elle reste entre les mains de l'actionnaire. Et donc, faire évoluer ces gouvernances et avoir un droit des entreprises et des statuts d'entreprises qui permettent de répondre à ça, ce serait une belle progression. Et à ce sujet, dans ce que j'ai lu tout à l'heure, je regarde quand même ma montre, comme on fait signe déjà quand il faut que j'arrête, je trouve qu'à côté des entreprises sociales, il nous faut travailler, ça commence à exister, sur le concept d'entreprise territoriale. C'est-à-dire des entreprises dont la fonction est de partir des besoins du territoire, d'associer les acteurs du territoire dans la gouvernance et d'apporter des réponses au territoire. C'est un peu différent de l'entreprise sociale. Et il me semble que les coopératives d'intérêt collectif, les SIC, sont un premier exemple intéressant d'entreprise territoriale. Les gens voient qu'ils se cherchent un peu partout. Et c'est un bel enjeu de coopération entre les collectivités locales, l'ESS et le monde des entreprises, que d'avoir des entreprises territoriales. Et d'ailleurs, on devrait aussi progresser sur la notion de responsabilité territoriale de l'entreprise, pas seulement sur la RSE, mais sur la responsabilité territoriale des entreprises et avoir des indicateurs qui permettent de rendre compte de cette responsabilité. Bon, l'ESS à elle seule ne peut pas conduire la révolution douce de l'économie autrement dont je parlais. Donc, comment faire ? Bien, moi, je me bats pour qu'elle change d'échelle, cette ESS, qu'elle soit plus importante. On dit toujours aujourd'hui que ça représente 10% du PNB en France, 2,3 millions de salariés. Moi, j'aspire à ce que ce soit plus, mais je sais que 10%, il y aura toujours 90% qui ne sont pas de l'ESS, donc il ne faut pas être enfermé. Et donc, j'aspire à ce qu'on appelle la pollinisation d'autres entreprises par les expériences que nous portons, que d'autres entreprises se disent bah, « c'est pas mal ce qu'ils font à l'ESS, peut-être qu'on pourrait s'en inspirer un peu ». Et de ce point de vue, les entreprises à mission telles qu'elles ont été proposées par le rapport de Nicole Nota et Jean-Dominique Senard, c'est vraiment intéressant parce que voilà, c'est une façon, ça nous rapproche d'autres entreprises, on n'a pas peu de profit pour nous, donc la pollinisation, et puis des alliances locales, et là je parle vraiment qu'il y a un enjeu d'avenir tout à fait important, il y a des élus qui sont locaux qui sont dans cette salle et des collectivités qui sont présentées. Une partie de l'enjeu, c'est qu'on ait une économie de proximité. Parce qu'il y a la mondialisation, et moi je ne suis pas contre la mondialisation, mais je pense que ce qui se joue aujourd'hui, c'est l'émergence d'une économie de proximité. Elle va se jouer dans des nouvelles alliances entre les entreprises sociales, les associations et les collectivités locales. C'est fondamentalement une façon de co-construire le développement économique nouvel qui va se mettre en place. Et donc c'est vraiment un beau challenge pour l'ESS, peut-être un peu à la pointe de ça. Il y a par exemple des pôles territoriaux de coopération économique, les PTCE, c'est vraiment tout à fait intéressant. J'ai parlé de la mobilité au Havre, il y a un pôle territorial de coopération économique qui fait que les transports en commun de la ville, les auto-écoles solidaires, les garages solidaires, tous ces gens-là travaillent ensemble pour apporter des réponses coordonnées et coopératives aux enjeux de mobilité. Et puis enfin, cet avenir de l'ESS, je pense qu'elle repose sur ce développement, sur ce que j'ai appelé un new deal de la mesure d'impact et de notre approche de la valeur. On n'a pas le temps de développer ça, mais je pense qu'il faut vraiment qu'ensemble on réfléchisse
sur c'est quoi créer de la valeur. Voilà, à mon âge, la création de valeur, en gros, c'était uniquement de la création de valeur monétaire qui est mesurée le plus souvent dans l'entreprise classique par la valeur qui est créée, qui retourne à l'actionnaire. Et je pense que ça ne suffit pas à définir ce que c'est que de la création de valeur. Et c'est pour ça que la fragilité, c'est vraiment intéressant. Parce que travailler avec les plus fragiles, etc., ça peut dire d'autres choses sur la valeur. Et à titre personnel, je considère que... considérer que, je vais être un peu provocant, mais un marchand de glyphosate crée de la valeur et un bénévole qui est engagé dans une association de handicapé ne crée pas de valeur, ça me choque. Dans mes valeurs personnelles, ça me choque de considérer que voilà, la vision de la création de valeur, ça c'est là. Je ne dis pas qu'il faut abandonner la notion de valeur ajoutée économique, je dis qu'il faudrait peut-être compléter nos instruments de façon à ce qu'on ait une approche de la valeur, de la création de valeur et de la mesure des impacts qui soit un peu revue et qui soit un peu différent aujourd'hui. C'est un enjeu pour l'économie sociale important que de travailler sur la mesure d'impact, sur cette notion de valeur. Et je termine en disant que cette révolution douce, parce que peut-être que le mot vous paraît ou mièvre ou fort, mais ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'en fait, c'est nous qui devons la faire, cette révolution. Moi, je ne crois plus, je crois que dans la démocratie aujourd'hui, c'est largement autant démocratiser l'économie que d'être sur la démocratie politique. Et je pense que c'est nous tous, entrepreneurs, salariés, consommateurs, épargnants, qui pouvons faire cette transformation d'un modèle économique sans heurts, en le faisant évoluer, donc c'est notre responsabilité. Mais pour le faire, on a besoin d'un potentiel d'ingénierie qui est tout à fait considérable. On ne peut pas faire ça si on n'a pas des outils. Et c'est pour ça qu'on a le cas est très important, et tous les outils de ce type-là, parce que inventer, faire de l'innovation sociale, avoir des entreprises sociales qui se développent, ce n'est pas de la génération spontanée. Il faut beaucoup d'investissements en ingénierie pour le faire. C'est la raison pour laquelle, par exemple, je plaide, j'ai l'impression d'avoir commencé à être entendu par le Haut-Commissariat à l'innovation et à l'économie sociale, je plaide pour un crédit impôt innovation sociale. Je pense qu'il est incroyablement, presque choquant de voir l'argent qui est mis sur l'innovation technologique comparativement à celui qui est mis sur l'innovation sociale. Est-ce que les problèmes majeurs de notre société sont d'abord des problèmes d'innovation technologique? Oui, au regard de la concurrence internationale, mais au regard des problèmes qu'on vit dans notre pays là, depuis 3 ou 4 mois, moi, il me semble que les sujets d'innovation sociale sont largement aussi importants. Alors, regardez les sommes qu'on affecte aux deux notions d'innovation technologique d'un côté, d'innovation sociale, c'est le jour et la nuit. Donc il faut que, on ne peut pas demander aux entrepreneurs sociaux de se débrouiller, enfin je sais pas, Peggy, où on a fait rencontrer quelques-uns, il faut bosser avec des queues de cerises. C'est difficile, c'est vraiment des moins de soldats, les entrepreneurs sociaux. Donc il faut revendiquer et réclamer le fait qu'il y ait davantage d'argent qui soit mis sur la table de l'innovation sociale pour que les gens puissent le faire. Et que c'est une absolue nécessité, et donc c'est de la recherche-développement social, c'est du transfert, par exemple, permettre de transférer des innovations, c'est ce que fait Ronalpia en permettant à des entreprises qui veulent s'implanter ici, donc c'est tout à fait formidable, et j'arrête parce que je suis en train de passer mon temps, en disant que j'ai proposé qu'on ait un programme Erasmus, puisque on en parle pas mal en ce moment, sur les ondes et ailleurs à propos des européennes, un programme Erasmus+ de l'ESS qui permettrait à Ronalpia de pouvoir travailler avec des Danois, à des Italiens d'ailleurs, en pouvant s'inspirer de ce que les uns et les autres font sur ce dont on parle ce soir, c'est-à-dire des innovations pour répondre aux enjeux de fragilité, parce que ce que vous allez découvrir ce soir, que vous avez déjà entendu, on retrouve assez largement les mêmes dans les pays d'Europe aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas de spécificité de ce point de vue-là, des problèmes en France par rapport à d'autres pays autour de nous. Voilà, donc je suis venu vous dire que c'est magnifique que vous soyez tous ici engagés sur ces sujets-là. Et que, en fait, d'une certaine manière, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'un récit commun, et je dirais pas, c'est d'un « yes, we can ». Yes, we can », ensemble, on peut faire une économie autrement, il n'y a pas qu'un seul modèle.
Mais il faut y croire et il faut se dire que c'est possible et qu'on va y arriver ensemble. Voilà, merci beaucoup.